Alors les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro de Alors Chinois, un test. Avec cette fois-ci, on va parler encore de la larve, de libellule, de la larva. En fait, on va parler d'un nouveau modèle, un peu différent, même si dans le concept est le même. Voici la larva, la larve de libellule 6 cm. L'année dernière, je vous avais parlé de la 5 cm. Alors, la différence déjà, on peut la voir aller dans la taille. On voit aussi au niveau de la tête, nous avons une tête plus carrée, là nous avons une tête plus arrondie. Les pattes sont plus épaisses. Le corps est à peu près identique avec des anneaux. Par contre, autant la larve avait une queue, il y a deux petites pointes là, a juste une queue, alors que celle-là a une double queue et une toute petite queue entre les deux. Voilà. Donc, elle est un peu plus épaisse aussi. La matière est peut-être un peu plus rigide qui évite Bref, on va tester ce leurre qui n'est pas cher. Pour prix Ali, bien sûr. Merci tonton Ali pour ça. Et puis on va faire des tests et puis on va regarder. Alors pour ça, j'ai aussi utilisé une canne, la fameuse canne dont je vous avais parlé, la fish skin pour la pêche que je vais faire. J'ai pris le modèle 520 en 2,70 m, qui est parfait pour pêcher au drop. Alors le fameux moulinet à gâchette, ceci. Voilà. Alors je vous rappelle que la gâchette fait office de frein, c'est-à-dire que le frein appuie, la poussée à la gâche, ça bloque. Alors, est-ce que c'est fiable comme moulinet? Je ne sais pas, pour l'instant j'en suis content, mais il faut voir aussi dans le temps, Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que le système ne va pas se détériorer? Ah, moi j'en doute, mais bon, enfin, faut tester, faut voir, mais on va tester, c'est comme ça. Voilà. Bon, bref, on est parti pour un test. Je vais le faire assez court parce que je sais que les poissons vont adorer ce leurre comme ils ont adoré celui-là. Bye bye, on y va. Le larva 6 cm. Il est un peu plus grand, il est un peu différent que ceux que je vous ai présentés avant, mais il est aussi efficace. Larva de 6 cm. On a plus peur. Le larva du AliExpress. Alors la canne utilisée est une fiskine, une canne AliExpress dans les 30-35 € frais de port compris. Elle est en puissance 5,20 et 2,70 m. C'est parfait pour moi pour pêcher en drop, mais elle est aussi polyvalente, car elle peut servir aussi, vu sa puissance assez large, 5,20 m, pour pêcher en tête plombée.
je puisais des plomb drop en cuivre, que je viens de chalier aussi. Ils ont un avantage, comme la matière est plus dure, au niveau de l'impact, quand ça tape sur le sol, on a un meilleur ressenti. Comme vous pouvez le voir, cette lave de libellule 6 cm est aussi efficace que sa petite sœur. Ah, là, j'ai 1 cm. Bon, à 1 cm de plus, elle est un peu plus épaisse, un peu plus large. Elle a une matière un peu plus rigide. Elle a le double queue. Vous pouvez voir là, même triple queue. Bon, quelques petites différences, mais qui n'entachent pas son efficacité. Non, pas un autre. Ah, pas du tout. Voilà. Un pas trop vilaine. Larvar 6 cm. Alors, à voir absolument. Bon, bah, comme vous voyez, c'est la Rallye Express pas chère, mais efficace. On va pas se priver. On va essayer, pour terminer, d'en faire une dernière. Une dernière, et puis j'appuyais tranquillement. On a pu voir l'efficacité de la canne, du moulinet, du leurre, et bien sûr, de l'ensemble.
tapent vraiment. En fait, ils sont dans la cassure. En fait, le fond, on fait ça, la tardisseur. Ils sont dans la pompe, là. Si je sors là, je peux rien. Si on mange là, je peux rien. Ils sont vraiment à la suite, planqués dans la cassure. Ils sont ici. Le leur, j'ai ça à la étape. Je sors, c'est des. Alors, vraiment que je sois dans la fosse, dans la profondeur, pour que je remonte, que j'arrive dans la cassure, je vais remonter. C'est là que les pères sont tapés. Dedans, et après, non. Là voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour encore un test à l'heure chinois, bien entendu, à un prix où on ne va pas se priver. A plus, les amis. Gardez.